Yo tout le monde, c'est Rezar, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a atteint les 100 abonnés, donc je vous en remercie. C'est pour cela que vous pouvez désormais poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Donc directement sur YouTube ou sur Facebook, si jamais vous voyez cette vidéo par Facebook. Donc posez vos questions pour une FAQ, on va faire une FAQ donc pour fêter les 100 abonnés. Je vais répondre à vos questions et vous allez donc me découvrir un peu plus que dans l'univers des vidéos. Vous pouvez poser n'importe quelle question, je ferai le tri bien sûr après. Et donc voilà, on va du coup ouvrir en même temps notre coffre de fin de saison parce que je peux faire une vidéo de 10 secondes pour vous dire posez vos questions. Point. On va faire une petite ouverture du coup, notre coffre de fin de saison. Donc j'étais rang 8, un record. Je suis parti des 5% des joueurs les mieux cotés, quand même pas mal. Donc c'est quand même des beaux coffres maintenant, hein. On s'améliore, on le sent. Beaucoup de boîtes, le dos de carte est ici normalement. La petite tarte. Les poussières. On a une carte dorée, le casse-tête, qui n'est pas du tout joué. La Wyrm de Mana, très très jouée, et dissimulée, qui est pas mal jouée également. En ce moment, on a quand même deux bonnes cartes communes, une carte rare qui est pas terrible. C'est pas grave, on peut la désenchanter. Se faire des poussières pour la prochaine extension. Vous avez également remarqué que j'ai plus le même décor qu'avant. C'est normal parce que je dis tout enlever mes posters pour changer le mur, mais finalement l'artisan qui doit s'occuper de ça ne pourra pas s'en occuper avant janvier-février, donc j'ai tout enlevé pour rien. Et si je remets tout pour les enlever au bout d'un mois, ça sert à rien. Donc voilà, on a redescendu au rang 18, comme d'habitude, mes petites quêtes à faire. Donc voilà. Bah du coup. Voilà, donc je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Ça peut être des questions sur tout, mes passions, YouTube, peut-être pas ma vie privée, mais ce que je fais dans la vie, voilà. Vous avez compris, je compte sur vous. Ciao tout le monde.